Salut! Alors on fait quoi là? Ben là c'est entretien d'été, celui-ci a à peine un an. Voilà, il a un an. On avait fait une taille en petit U qu'on peut voir là-bas en bois, forme de bois. Et la pousse de l'année est tellement spectaculaire que là il va falloir y mettre un petit coup de sécateur. De toute façon il faut mettre un coup de sécateur au pêcher. Parce que les pêchers ont l'affreuse particularité de partir à bois très fort. Et chaque année de produire de plus en plus de bois et d'éloigner les fruits. De plus en plus du tronc en fait, de plus en plus ça part loin. Donc c'est de plus en plus difficile d'avoir des belles pêches de bonne qualité. Puis souvent ils ont la cloque aussi. Donc c'est pour ça que là on l'a mis sous abri. Hein. Là en film en haut, là on vous montre bien qu'il y a un beau panache là, qui protège de la pluie. C'est pour ça qu'il n'a pas la cloque. Il y a un pêcher, à partir du moment où il a une quinzaine de feuilles là, hein, ben, je vais laisser 7 feuilles quoi par exemple. Ça fonctionne aussi très bien. Mais je ne fais pas ça sur mes... Sur mes grosses charpentières, je fais ça sur mes départs. Alors maintenant, on va voir. Est-ce que vous préférez faire un carnage en ayant peur de couper, je sais pas, dans ce cas-là, vous réduisez un tiers. Voilà. Un tiers de la ramure. Vous n'êtes pas sûr, vous êtes là, boum, un tiers. Voilà. Tout simplement. Ouais, donc on coupe à 6 à partir du moment où il y a une quinzaine de feuilles, quoi. Tout simplement, quoi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 qui correspond à peu près à un tiers, quoi. Là, si on coupe là, on respecte. Je vais même me permettre de couper un peu, tout petit peu plus au-dessus. Ah bah tiens. Sécateur qui déconne. Ah, donc tu vas quand même généreusement parce que c'est pas des petites. Des petites brindilles que tu enlèves. Mais tout ce qu'il y a sur les côtés en fait, sans toucher à mon prolongement. D'accord. Pour que ça s'épaississe et que le sucre puisse monter plus facilement. Voilà, et que je puisse surtout travailler un petit peu sur la hauteur, j'aimerais qu'il atteigne au moins 2 mètres. Et tu vois, ça, ben, tu tentes à la bouture. Voilà. Tu prends de la terre bien arrosée à l'ombre, pouf, tu le mets dedans. Et voilà, et si tu veux être sûr que ça fonctionne bien, ben, tu mets un peu de sol dans de l'eau, tu attends quelques jours, des feuilles de sol là. Tu attends quelques jours, tu remues, tu craches un coup dedans, ça met de l'hormone, ça rajoute au sol. Tu le fais tremper un peu là, quelques heures. Et ensuite, tu peux couper les feuilles aussi, comme ça, là. Tu enlèves un tiers. Tu la fais tremper, hop, tu le mets dans de la terre, à l'ombre. Voilà. Tu coupes le haut, là. Puis c'est là que tu vas avoir le maximum de chances de faire une bouture. Ou tu peux t'en servir pour aller greffer d'autres variétés, voilà. Alors, salut! Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Salut à tous, alors voici comment sécuriser une porte de garage. T'es mort de rire, j'ai dit putain je vais faire la peinture. Vous avez reconnu la voix de Babou qui nous raconte ses aventures avec ses betteraves. On en va en tirer une. Ça pour parler juste, c'est super bon. Vous voyez, lourd, hein. Elle est jolie, ouais. C'est les demi-actives que je t'ai parlé. La porte, pourquoi qu'elles sont petites après ça, ça. Ouais, elles ont le format standard. Ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'as vu là la zone de fleurs, c'est sympa. Ouais. Le tabac, à part celui que j'ai mis avec les carottes, qui est pas vraiment bien. Ah, le poivron. Ouais. Cette année, on va en avoir du poivron. Il y a pas moi, je crois pas. Il y en a qui se mettent à rattraper. Mais... C'est tellement en retard que j'ai des goûts. De me cerisier l'année dernière. C'est une gaffe là. Mais celle-là au moins elle a pris. Voilà, ça a pris, oui. Ça c'est du tabac. Eh ouais. Ben, c'est comme ça qu'il devrait être. Il est taille du pot de fleurs. Ouais. J'aurai des graines de toute façon. Celui que j'ai mis dans la terre avec les carottes. Donc, tu vois, les graines c'est sur une comme ça qu'il faut les faire. D'accord. Elles sont stables. C'est bon. Pas plus. J'ai envie de la plumer un peu du coup. Vas-y. Ça casse tout seul. Comme ça on sait qu'il nous en reste 2, 3, 4 autres ici là. Alors ça normalement ça fera pas ces semences cette année, c'est ça? C'est l'année prochaine. Normalement c'est l'année prochaine, bisannuel.
Donc voilà ce que j'ai fait avec la récolte de ce soir. Donc là vous avez les carottes, les cardes des blettes rouges, les épinards des blettes rouges, les petits pois, les fèves, les trois oignons. Là je vais laisser encore un petit peu cuire parce que les carottes sont un tout petit peu dures, mais c'est pas mal. Je vais rajouter ensuite le sauté de pommes de terre. Là vous avez hop, les deux salades de fruits avec les fruits qu'on a ramassés dans le jardin. Donc vous voyez, elles sont assez copieuses. Et là la salade verte que là je vais hacher pour préparer, pour mettre dans les assiettes. Et voilà. Donc vous voyez quand même, avec tout ce qu'on avait, on a de quoi faire un bon petit repas pour ce soir. Et je pense même qu'il en restera jusqu'à demain midi. Ciao ciao. Au niveau stockage au bois, vous voyez, j'ai le bois de l'année. Donc celui-ci, c'est celui que je vais brûler cette année, bois blanc. Là ici, c'est un bois qui sèche, avec petites branches, espace de coupe. Vous voyez. Et je ne mélange pas le résineux. Ah oui, le résineux, je le mets à part. Ah ça, c'est mon résineux, ça. Bien sûr, je vous le dis pas, mais tout ça, c'est récupéré à la décharge. Hein. Donc, bon, j'ai mélangé un peu, parce que ça, c'est vert complet, il faut que je le fasse. Mais ça, c'est quand je vais jeter un truc à la décharge, il y a toujours plein de trucs comme ça, j'y récupère. Hein. Ouais, là, il y a plus d'une stère, là. Là, à mon avis, coupé, il y a deux stères. Hein. Tout ça, récupéré gratos, quoi. Un peu comme le reste du bois, hein. Celui-ci aussi. Bon, ça, c'est la nature de mon sol, vous voyez. Ça, c'est le sol de départ dans lequel je suis arrivé, quoi. C'est génial, hein. Ça, ici, c'est tapé une grelinette là-dedans. Là, ça, c'est... Voilà, c'est pas... Et tout ça, ben, c'est du bois que j'ai récupéré à la décharge aussi, tout ça, là. Ça fait joli, hein, pourtant. C'est du beau bois, hein. Les gens, ils coupent et puis ils jettent. Parce qu'ils n'ont pas de cheminée. La récupération. Ouais, c'est du bois de charpente qui est... Bah, ça a 100 ans, hein. À l'époque, ils faisaient comme ça, tonneau mortaise. Vous voyez, c'est à l'époque, les mecs, c'était des... Il n'aspirait pas de clous, hein. Il fait tout à la main. Moi, c'est quand j'ai refait... On a refait la toiture. Toiture neuve, là. Avec récupération de tuiles. Déjà, ça a une autre gueule, avec une toiture neuve. Là, c'était un bâtiment qui était totalement fracturé de partout. Il y avait une cave en dessous, là, une cave de 10 mètres, 12 mètres de long sur 6 mètres de large. Les fondations de la maison avaient glissé dans la cave. La maison était en train de s'effondrer littéralement. Il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus rien du tout. Et du coup, on a pu tout restabiliser. On a rempli la cave de partout. On a tout bétonné, fait une belle chape. On a ferraillé, on répare les murs. Nouvelle toiture, vous voyez. La cave, elle est remplie comme ça. La cave, elle est remplie comme ça, quoi. C'est dommage, c'était une belle cave, hein. Vraiment une très très belle cave. Hein. J'ai pas trop de vidéos ni de photos parce que bon, ben, j'ai pas eu le temps, hein, mais c'était une belle cave. Hein. Bon, c'était un peu à regret, mais bon, il fallait que je sauve ce bâtiment, hein, qui à mon sens fait partie du patrimoine, quoi. Il y a un mec, un jour, il est venu en pleine campagne, et il a commencé à poser des pierres, à taper avec une pioche. Il fallait sauver ça, quoi. La sage qui a fait ses fleurs, qui a fait ses graines et qui repart, c'est énorme. Ça, c'est un cycle très intéressant à observer. Ça. Donc là, la pièce d'eau qui est plantée. Tout ça, c'est un petit peu en extra dans la vidéo. Vous savez que j'aime bien m'étaler. On fait des vidéos maintenant qui sont parfois courtes, parfois plus longues. Vous voyez, j'ai planté du tabac aussi, un peu de partout. On a planté la pièce d'eau. Donc tu vois, Jox, regarde. Je suis venu planter, moi aussi un peu, hein, pièce d'eau. Et j'ai rentré les poissons. Donc j'ai pas de berge, ça plonge direct, j'ai à peu près 30 cm et ça plonge direct, donc il faut que je construise des petites berges. Donc voilà, j'ai mis une espèce d'échelle là pour pouvoir descendre dans l'eau. Donc là c'est une base d'argile, j'ai très très peu de vases, c'est surtout de l'argile, donc c'est de l'eau de rivière. Là on a planté, on a mis pas mal de choses, dont les nénuphars. On a planté une petite dizaine de nénuphars là sur le bord. J'attends de voir ce que ça va donner.
Et puis après on s'occupera de planter un peu les berges. Ici il y a une souche de canne de Provence. Ça pourra faire quelques petits tuteurs. Ah, le résultat aussi de cet arbre, ce petit pommier là qu'on avait planté couché pour faire l'expérience. Vous voyez là, il a envie de remonter tout le temps. Je vois s'il n'a pas fait de pousse secondaire. Bon, pas encore. Bon, il est sympa. Hein. C'était une petite brindille d'un an qu'on avait planté là comme ça. Il est sympa et je vois que tout autour il y a des choses qui poussent. On dirait presque du laurier, je sais pas. Bon, on verra plus tard quand ça va repousser un peu. Et je vous garde, de toute façon on est en format long maintenant. Il y a des gens qui ont zappé avant, mais il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Il en faut pour tout le monde. Donc là, autant vous dire qu'avec la tondeuse à main, moi j'ai une 48 cm. C'est long. C'est long. Voilà, il me faut pas loin de 8 heures pour faire l'ensemble de ce terrain. Hein. Voilà. Et ça, je vais le renouveler peut-être 5 fois. 5 fois du début de saison maintenant. Donc je vais laisser pousser l'herbe à attendre les premières floraisons. Et quand je vois que les premières floraisons commencent à tomber, c'est le moment où je passe ma première tondeuse. Donc il faut attendre les premières floraisons quoi. Et ensuite il y a à peu près 5 passes. Donc je récupère les 3 premières et les 2 suivantes, je les laisse en mulch. Donc là on est venu rabattre des pommiers, hein, vous voyez. Tout ça c'est que des fruitiers, hein, regardez. Donc là il va falloir que je vienne faire du broyat, hein, vous voyez. Tout ce qui est branches qui tombent, là il va falloir les couper. J'ai laissé pousser un peu cette année. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Puis c'est embêtant à passer la tondeuse en dessous et tout ça. Parce que sinon, si je laisse pousser, vous voyez que je suis envahi tout de suite d'épines noires. Oui, j'ai de l'aigle entier. Tout est comestible, hein. Tout est comestible de partout. Et ouais, vous voyez celui-ci là par exemple, on l'a planté l'année dernière. Donc on l'avait taillé très court, c'était un trident. Hein. On avait fait un petit trident, je sais pas si vous vous rappelez, je l'appelais la fourche pour rigoler. Voilà, on l'avait réduit. Et regardez maintenant la pousse de l'année quoi. Tout ça c'est de l'année, hein, tout ça, tout ce que vous voyez là. Voilà, j'avais dit que ça ferait plus ou moins une palmette, et bien on y est quasiment. Hein. Vous voyez, ça va vite. Hein. Et vous voyez aussi ce que ça donne comme rendu. Quand vous arrivez à venir passer la tondeuse vraiment bien en dessous, propre, ça donne beaucoup plus de profondeur au niveau paysagisme. Quand vous faites un petit peu de... Bon, j'ai pas encore taillé, hein. J'ai pas encore taillé nulle part, parce que j'ai pas encore eu le courage d'apporter le broyeur jusqu'ici. Mais on va pas tarder, hein. On taille en fait à hauteur d'homme, hein, plus ou moins. Il faut qu'on puisse passer de partout sans s'accrocher la tête et les cheveux. Hein. Vous voyez, par exemple, tout ça, ça va sauter. Hein. Tous ces rameaux-là, tous ces trucs-là, ça va sauter de partout. Hein. Voilà, je vais garder... Je vais garder les grosses charpentières et tout le reste ça va sauter. Hein. Tout simplement quoi. Comme ça on peut circuler beaucoup plus librement. C'est comme ça qu'on donne un aspect un peu bocage sympa quoi. Oui c'est super joli quand on arrive là qu'on voit ça. Alors je garde bien sûr le petit mur de haie là. C'est simplement des mûriers sauvages. Hein. C'est là que je vais récupérer le plus de murs. Donc ça c'est les murs à confiture, elles sont délicieuses. Vous voyez, hein, plein de floraisons là. Donc là, de les avoir flingués à la débroussailleuse la saison dernière, voilà, ça me fait une espèce de tapis de partout où je peux facilement accéder, je peux facilement rentrer dedans. Et si tous les 3 ans, je viens le réduire, tous les 3 ans, je peux l'entretenir pour qu'il soit à fleurs comme ça et que je puisse récupérer des grosses murs. Vous verrez, les murs seront, elles seront pas toutes petites, elles seront un petit peu au-dessus. Voilà, et puis ça évite d'avoir des grosses épines qui font très très mal. C'est des jeunes mûriers quoi. Plutôt que d'avoir les grosses épines, ils commencent vraiment à blesser. Et ça, je le fais sur une bonne longueur de au moins 30 mètres. Et comme ça, rien qu'en me penchant, je peux récupérer pas mal de choses. Puis ça fait des petites cachettes pour les petits lapins, les écureuils, les choses comme ça. Ça, je vous avais expliqué que... la ronce en fait, au plus on va la stresser, au plus ça va faire de grosses épines. Mais que si on la coupe pareil, qu'on la laisse repousser après, elle donne des fruits plus gros. Parce que c'est vrai que parfois même elle donne carrément pas de fruits, ou si les choses sont tout petits, tout secs. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de fruits cette année. Alors pour qu'ils soient énormes, il y a encore une technique un peu différente, mais ça je vous le présenterai, je ferai une vidéo spéciale. Pour avoir vraiment des murs sauvages vraiment bien grosses là. Dans les gros... Bah, les gros récifs comme ça, vous faites un gros massif de ronces,
entretenue, sans stress. Au bout d'un moment, elle a quasiment plus d'épines. Plus du tout, en fait, vous la tressez, elle a quasiment plus d'épines après, et elle fait des gros fruits. Là, j'ai poussé là, je sais même pas ce que c'est, ça. Ça a poussé tout seul. C'est joli comme tout. Ah ouais, ce pommier, on est venu, pareil, on a fait une taille académique il n'y a pas très longtemps. Et voilà ce que ça donne. Donc on a quelques petites pousses qu'on va devoir reprendre, hein, avec la taille en vert. Mais qu'est-ce qu'on voit? Petite pomme. Ça, c'est super sympa. C'est sa toute première pomme. Alors, il en avait plus. Il en avait plus. Et en même temps, il est soumis à une espèce de petite attaque à chaque fois. J'arrive pas à le soigner. Donc, je vais revenir faire un petit purée en savon noir. Parce que ça, il le chope sans arrêt, sans arrêt. Donc, ça vient des arbres qui l'entourent. Ça vient de lui, là-bas. Vous voyez? C'est lui qui a ça. Donc pommier sauvage, et il l'a refilé à lui. Donc il y avait plus de fruits, mais avec le gel tardif, il y a bien 5-6 pommes qui sont tombées. Ben, comme je l'avais dit, hein, il y avait à peu près 2 pommes par porte de charpentière, là, avec les fameux petits œils à fruits. Donc il y en avait une à chaque fois, une ou deux à chaque fois. Et elles sont tombées, c'est ce qui est dommage. Là, vous voyez une pousse spectaculaire. Là. On va devoir venir tailler ça, donc voilà. Hein. Voilà le fameux pommier. Donc on avait fait une tentative de greffe sur donc pommier sur pommier. Hein. Mais visiblement, il faut le rabattre entièrement parce que sinon ça avorte, ça prend pas. Il n'y en a aucun qui a pris, nulle part. Voilà pour vous donner un peu notre profondeur. Donc là, il doit être aux alentours des 20h30-21h. Vous voyez, là aussi, pareil, ça a été greffé. Hein. On a même fait de la greffe en écusson qui n'a pas pris, une greffe en couronne. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'échecs sur les couronnes, ici. Bon, il y a des sureaux. Hein. Beaucoup de sureaux. Petit coin d'Éden, quoi. C'est un petit paradis. Le petit champ de pommes de terre, hein. Vous le connaissez déjà. Là, on a mis plein sud, on a mis du cerisier. Bon, il y en avait 4. Il y en a 2 qui sont morts. Et celui-là qui est parti. Donc la pousse de l'année. Hein. Regardez la pousse de l'année. Là, je pense qu'il n'y aura plus de soucis. Alors lui, là, vous voyez, quand je suis arrivé, il y a 3 ans, ben, il était pareil. Voilà, je vais pas vous dire qu'il était tout petit, c'est pas vrai. Non, voilà, ça c'est génial aussi, c'est de la noix. Ils sont bien beaux, les artichauts, là. Ils sont bien beaux. J'ai mis leurs jumeaux juste en face. Je sais pas si vous voulez les voir. On sait jamais, hein, le prédateur serait venu, il aurait tout déglingué. Là, j'ai mis un rang sur 2. On a du globe là. Puis on a de l'artichaut violet. J'en ai mis pas mal et je suis content parce que je vois qu'ils se sont bien développés. Là, vous voyez. Là, ce que vous voyez, c'est un renard qui a planté les dents, hein, hein, pour arracher. Ben, s'il vient et qu'il gratte. Ah ouais. Sur toutes les parois, j'ai mis des petites clochettes comme ça. Il y a 6 clochettes et comme ça me permet d'entendre directement s'il y a du bruit. J'ai fait aussi à l'intérieur, vous voyez, une petite boîte là, que si j'ai des attaques, je mets le babyphone. Comme ça, j'entends tout ce qui se passe dans le poulailler. Et en plus, ce babyphone, il se déclenche qu'à partir d'un certain bruit. Donc ça me permet de pouvoir intervenir rapidement, quoi. Là, voilà, l'intérieur, hein, petit perchoir, tranquille. Le plateau est amovible. Donc ça, c'est le genre de poulailler qu'on trouve dans le commerce. Hein, voilà, ça, hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai fabriqué comme ça, celui-là. J'ai peut-être amélioré. Donc il est transportable, vous voyez, et juste avec les poignées là. Et puis j'ai ajouté un parc additionnel, voilà, qui m'a fait un peu la galère, avec latte et contre latte, et puis
Et puis c'est solide quoi. Voilà, je vais vous montrer cette petite zone à côté de la serre. Bon, les oliviers, ils ont explosé. Hein. Les oliviers, c'est des petits machins de rien du tout. Il y a déjà les olives, vous voyez. Bon, c'est un truc que j'ai payé 2,50€, 2-3€, pareil chez Lidl. C'est incroyable ce qu'on trouve chez Lidl. Allez, tourne sol là pour cacher un peu la vue. Ah, je ne suis pas embêté, hein. J'ai simplement mis, voilà, ça, c'est bourré de vie là. Un petit pampa qui est reparti, je suis content, ça a bien décoré. Pousse spontané, hein, courgette. Après là-dedans, vous voyez, il y a plein de choses, hein. Il a des trucs comme ça, ça pousse tout seul. Le composteur, celui qui me donne mon terreau de bois, donc celui-ci c'est celui de l'année. Hein. Donc on en est où là, sur le terreau de bois de l'année? On va aller voir ça. Donc ça c'est ce qu'il y a en haut, c'est le plus jeune. Et vous voyez, si je creuse juste un petit peu, ça commence à devenir noir. Il n'y a presque plus de bois, regardez, c'est quasiment que de... Ben, voilà. Voilà, il est de cette année quoi. Et je vois qu'il y a plein de cétoines avec, plein de vers de terre. Alors si je vais en bas, ben, c'est du terreau qui est quasiment raffiné. Hein. Bon par contre, il faut venir le mouiller de temps en temps. Et en bas là, ben, c'est sûr, c'est du terreau de bois. Donc ça fonctionne bien. Hein. Vous voyez, à la mi-ombre comme ça là, noir. On le mouille un peu, j'y mets que du broyat. Hein. C'est du broyat que vous avez vu. Hein. Avec de la tonte par-dessus pour garder l'humidité. Et bien sûr en contact avec le sol. Tout simplement. Là pareil, je fais des réductions de grosses souches. Vous voyez derrière, c'est toutes les grosses souches que j'arrive pas à casser, je les mets là. Elles vont se réduire aussi, elles vont se réduire et dans quelques temps, vous voyez là-bas c'est pareil. Terreau de bois avec des grosses poutres. Poutres en chêne, hein, centenaire. On va laisser réduire et puis ça nous fera des zones latéraux. Hein. Voilà. Là je fais un peu de charbon, vite fait. Il y a des trous en bas, il faut que je vous le montre un jour. Je l'allume. Je le ferme en haut, un feu réduit avec des tout petits trous et ce qu'il y a dedans, ben, ça me fait du charbon. Le charbon que je mets dans une poche, que je casse et que je mets au potager. Il est joli ça. Ouais, on va arriver à la fin bientôt. Là, il y en a un tout petit peu moins, ils sont un petit peu moins sucrés. Par contre, ils sont plus gros. Ouais, ils sont balèzes. Hein. Tu vois, c'est le moment où les mulots ils commencent à venir les rousiller. Là. Alors vous voyez, pour moi, le bon signal pour savoir quand ramasser, ben c'est à la fois quand les petits buceaux se couchent, qui font plus le pompon, mais c'est surtout quand je commence à voir ça. Ça, ça veut dire que les rongeurs sont de retour et ils vont faire un carton. Donc là, ils ont commencé leur première venue et en 2-3 jours, il n'y aura plus rien ici. Voilà. Et ça, c'est grâce à l'observation, quoi. Parce qu'il faut être sur place, il faut regarder comment ça se passe. Cette année, j'ai fait avec mes propres semences. Donc pour tous ceux qui veulent faire de la semence avec le petit pois, là, n'oubliez surtout pas d'y mettre un coup au congèle. Hein. Sinon, vous allez avoir un petit parasite qui va se transformer en papillon au printemps, qui va percer le petit pois et qui va l'empêcher de pouvoir donner... une nouvelle plante en fait. C'est vrai que ça donne quand même pas mal de travail. Hein. Mais pour obtenir cette qualité là, ben, il le faut. Hein. Voilà. Bon après ben, c'est du boulot parce qu'il faut. il faut les ouvrir quoi. Mais bon l'autonomie c'est ça aussi. Alors là je pense qu'on va en conserver une bonne partie directement en sac de surgélation. Et une autre qu'on va faire en bocaux. Voilà pour les petits pois. Et puis là, ben, on refait une tournée quoi. On va en ressemer tout de suite. La dernière étape, on fait des petits sacs hein, sur gélation. Donc on a fait là pour le coup, tu avais 2,6 kg en tout. On va faire des portions de 150 grammes, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, dans des sacs de surgélation. Parce que 100 grammes, on trouve que ça fait pas assez. Voilà, 100 grammes, ça fait petit. Thank you.
À mon avis, le basilic, il a bien grandi parce que je le vois pas, mais je le sens fort là. Mais tu vois tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Regarde. Vous savez qu'il y a une grande part de notre préparation qui va se faire suivre avec une conservation. Hein. Mais là, depuis peu, on a investi dans un congél. Et du coup, ben, voilà, ça commence à se remplir, quoi. J'ai mis juste des petits pois. Il me reste encore à mettre quelques-uns. Voilà, ça fait portion repas, quoi. Tout simplement. Alors, on va faire aussi quelques confitures. Bah bon, on a des conserves qui sont pas faites maison, mais il en faut aussi. Hein. Vous voyez les blettes qu'on a fait ensemble là, au mois de juin. Elles sont pas décolorées. Hein. Elles sont belles. Hein. Il n'y a pas de moisie nulle part. Pareil pour l'épinard de blettes. Putain, elle était vite remplie ces étagères là. C'est qu'il faut en manger après. Là, vous voyez, soupe de courgettes, courgettes en cube, lamelles, je recommencerai pas quoi. Ouais, ça a pas l'air d'être super tip top quoi. Donc c'est 2019 tout ça. Hein. Voilà, beaucoup de courgettes. Hein. Ça se tient très bien. Et quand ça voudra ne plus se tenir, eh bien, on aura au moins une indication. Là, ça fait déjà un an quoi. Ouais, beaucoup de tomates aussi là. On en a mangé beaucoup cet hiver, beaucoup de boîtes comme ça. Voilà, maintenant il est rempli d'eau. Alors il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Soit je tente un purin avec l'écosse pour voir qu'il reste que la fibre à la fin. Je pense que ça pourrait pas mal réduire. Je connais pas du tout le résultat, ni même les propriétés que cela pourrait avoir. Sachant que l'écosse est quand même là pour protéger le grain. À mon avis, elle a pas mal de propriétés. Notamment au niveau insecticide, je pense, pour protéger. Je ne sais pas du tout. Il faudrait voir à peu près ce qu'on peut trouver comme propriété là-dedans. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de faire un purin. Mais bon, là, j'en ai besoin actuellement pour réactiver mon compost de terreau, mon compost de bois, quoi. Donc voilà, j'ai bien mouillé. Et on va aller le poser dans le composteur. Voilà, hein, mon coin composteur, il est, vous le savez, à côté du bois. Enfin, pour composter le bois. Voilà, je vais apporter un petit peu de matière azotée pour activer un peu. Voilà, ça c'est pas mal. Il faudrait que j'y remette de la tonte par-dessus. Ça serait vraiment le top. Allez, on va le laisser. On va le laisser reposer. Hein. Il était rempli à ras-bord. Je l'ai re-rempli à ras-bord. Et là je vois qu'il redemande encore. Hein. Donc c'est que ça réduit vachement, sachant que déjà le broyat il est déjà réduit plus de 10 fois. Oui, j'ai voilà. Encore fait des remorques. Alors ça c'est le bois qu'on met dans les buttes, hein. C'est ça le bois qu'on met dans les buttes. Du papier quoi. Que la cellulose. Ça c'est du bois qu'on met dans les buttes. Très bonne qualité ça. Grosse rétention d'eau. Nourriture instantanément disponible pour les auxiliaires du sol. On va pas tarder non plus à trouver une vocation à ce trou. Sans doute une mare. Bon, on va continuer cette vidéo. De toute façon, on est sur une vidéo longue, alors on se régale, on est ensemble.
On va continuer de faire des récoltes, hein, récolte du mois de juillet quoi. Et on peut ressemer tout ce qu'on a mis au mois de juin. Je commence à faire mes premières olives. Ils ont beaucoup grandi. Hein. Allez, ils ont doublé de taille depuis qu'on les a installés là. Ils ont doublé de taille. Incroyable. Ils avaient besoin de ça. Quoi. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on prit, qu'on poussait spontanément d'ailleurs. Il y a la courgette qui a poussé toute seule. Ben, salade. Après, c'est étonnant, mais regardez-moi tout ce tournesol, il a poussé tout seul. Non, non, je déconne. Ça, c'est moi qui l'ai planté. Ah ouais, la grise et la noire. La petite, non, la grise et la petite noire, elle en a pris plein sa gueule, elle est partie direct. C'est des bébés, ils sont tellement dingues. Ils sont tellement dingues. C'est pour eux, ils ont chopé la souris. Ah ouais, ouais. Puis c'est vrai que je vous montrais il n'y a pas longtemps la floraison de ces haricots, haricots géants là. Et là maintenant on n'est plus dans les haricots géants quoi, on va croire que c'est transgénétique. Donc c'est pas du haricot sabre, hein. C'est haricot berry, rouge et blanc, orteil de pêcheur. Et ils ont poussé, ça fait longtemps qu'ils poussent sous ce climat là que j'ai là actuellement. Et du coup bah, ça donne des trucs incroyables, on dirait presque d'haricots sabre. Le rang est encore bien grand et que la cachette est déjà à moitié pleine. Cette année, c'est une très belle année à échalote. Il y a juste à tirer dessus pour s'en rendre compte. Celle-là fait partie des plus petites, il y en a beaucoup qui vont repousser. Très intéressant ce niveau-là. Regardez, celle-ci est bien plus intéressante. Ça va être bien sympa tout ça. Et là on a de la crosne. Elle est bien développée, quoi. Elle a bien colonisé un peu le carré. Alors c'est vrai qu'il paraîtrait que c'est donc une petite racine en forme de. Comme un peu comme une larve. Je vous en sortirai pour qu'on puisse y goûter, mais à l'intérieur dans la petite serre, elles sont 5 fois grandes comme ça. Alors vous voyez, quand on regarde le potager dans toute sa splendeur, on va découvrir qu'on récolte des petits pois comme ça.
Voilà. C'est beau, c'est vert. Grosse cosse avec plein de petits pois dedans. Mais souvent, la réalité du potager, ben, c'est fouiner dans ce genre de machin-là. Ben, pour trouver les petits pois. Hein, qui ressemblent plus à ça. Mais si vous l'ouvrez, il n'y a aucun problème. Tout est dedans. Hein. Ils sont dedans, ils sont en parfaite... en parfaite forme, quoi. Vous voyez ? Donc il y a ce qu'on voit d'un côté et ce qui se passe de l'autre. Pendant tout le courant du mois de juillet, vous allez devoir effectuer de très très nombreuses récoltes. Je vous invite donc à regarder mes vidéos sur la façon de conserver les aliments, notamment en stérilisation, lactofermentation. Petit pois écossais, fèves coupées, on va faire une petite rondelle de carottes et on va le mettre avec. Hein. Alors je vous laisse avec Mighty et puis on va vous expliquer la recette de la cuisine. Alors, petite astuce pour les préparer, hein. Alors, tout simplement quoi, coupe en deux, puis ça sort tout seul. C'est tout simple. Voilà. Alors voici, hein, je vous la montre. Pour les collègues du Discord, vous voyez, un tasseau rainuré en haut, en bas. Et puis après, il suffit simplement de venir faire glisser. Voilà. C'est super costaud. C'est simplement des palettes. Voilà, j'ai mis des palettes. Une en dessous, une au-dessus et deux pour surélever pour qu'elles puissent se mettre en dessous. Elles aiment bien ça. Et pour les portes, je ne me suis pas embêté. Hein. Regardez un peu le système, c'est tout simple. Donc ça ne peut pas s'ouvrir. Je soulève là. Je l'enlève de son logement ici, clac. Oh, c'est de la bricole, j'ai fait ça rapidement, j'ai pas eu le temps de faire super esthétique. Hein. Mais voilà, ça fonctionne bien. Vous voyez, elle vient de poser les œufs là-dedans. Et c'est quand même assez grand, quoi. Voilà. Le petit perchoir, là, et puis voilà. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Voilà pour mon poulailler. Et celui-là, ben, il est indestructible, celui-là. Il n'y a que si vraiment il est envahi de poux rouge que je le démonterai pour le cramer, mais j'ai pas eu ce genre de soucis pour le moment, quoi. Vous voyez, j'ai mis un perchoir à l'intérieur aussi. Il n'y en a pas qu'un. Là-bas, pour la réserve d'eau, vous voyez, c'est une petite bassine, une petite baignoire pour bébé. J'ai mis des petits perchoirs à l'intérieur un peu partout. Et puis voilà, ils sont tranquilles. Trois poules, un coq. Et puis, il n'y a pas de souci. Et pour la porte, ben, c'est un grillage comme ça, là. C'est ce qu'on retrouve sur les clapiers, les choses comme ça. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, je manque d'espace. C'est pour ça que j'utilise cet outil. Mais on pourrait le faire avec la fourche, hein. Allez ça. Très belle échalote. Hein. Bon, je vais enlever encore quelques-unes pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, tout simplement l'autonomie petit à petit. J'aimerais que tu nous fasses un petit retour là sur comment tu vis la chose maintenant. Ça fait 6, 7, 8 ans qu'on est sur le chemin de l'autonomie dans la campagne, qu'on a abandonné notre vie de citadin. Qu'on a abandonné famille, amis, carrière, qu'on a tout abandonné, qu'on est parti pour vivre au vert. Bah alors déjà, c'est vrai que moi, quand je suis parti un petit peu de la ville, ça m'a un peu... Voilà, c'est des questions... Bah, ça dure pas longtemps, ça dure à peu près 2-3 mois, le temps de se retrouver à la campagne, de se poser de bonnes questions, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait. Et honnêtement, vu le parcours qu'on a eu, parce qu'il n'a pas été facile, le parcours, vu le parcours qu'on a eu et tout ça, je trouve que ça a pas mal renforcé au niveau des connaissances. Ça a permis ben, déjà, surtout les bassolistes, c'est de montrer que réellement on ne s'était pas trompé sur ce qu'il y avait, sur ce qu'on devait faire et sur là où on devait aller en fait. On ne s'est pas trompé. La première installation, on était en Creuse. La Creuse, moi j'ai pas mal souffert par rapport au froid. Du coup, voilà, ça a renforcé le sentiment. Au début, quand on arrive, on est tout fringant, tout, ouais, on va faire ci, on va faire mi, on va faire là. Tout va pousser, on est les meilleurs. Et en fait, on se rend compte que non, on devient bon avec l'expérience. On s'est éclaté par la life, quoi. Ah oui, on devient bon avec l'expérience. En fait, c'est vraiment du boulot. Les gens croient qu'on arrive là, c'est tout beau, c'est tout rose. Non, c'est du travail. C'est... Mes fourneaux, j'y passe pas au minimum 4 heures par jour derrière pour faire la transformation, pour faire aussi, pour faire remis.
les ramassages, les plantations, quand il faut arroser, parce qu'on est en période de grande sécheresse, quand il faut voilà, amener le fumier à la brouette, parce que nous on fait tout vraiment à la main. Ah, c'est du taf tout ça. C'est énorme en taf, c'est là où on se dit est-ce qu'on va être capable ou pas. C'est pour ça que c'est à tenter en fait. Et après, ben, petit à petit, au début, c'est très dur, moralement, physiquement et tout. C'est très très dur. Très compliqué de se dire, on est parti de la ville où tout était si simple, on rentrait chez soi. On n'avait rien à faire en fait, mis à part allumer la télé, aller prendre notre douche. Voilà, on avait énormément de temps. Là, c'est chaud, c'est compliqué. C'est vrai que finalement, c'est quand on courait de partout, qu'on était citadin, qu'on se rend compte que c'est là qu'on avait plus de temps, parce qu'on avait plus de facilité mise à disposition pour aller faire les courses, le machin, le truc. Sans parler bon, du travail qui était, ben, lui, c'est normal, c'est les travails, donc le plus chronophage. Hein, 8h, midi, 14, 19, on connaît, on a connu pendant longtemps. Et là, le non, fait d'aller... T'avais ton salaire le week-end pour essayer d'aller te détendre. Voilà, quand... Et là, en fait, on a un rapport à l'argent qui est complètement différent, c'est que maintenant, on va travailler quand on en a besoin. C'est-à-dire quand on sait qu'il y a quelque chose à payer, une facture, un truc comme ça, hop. Oui, ouais, voilà, carrément. On cherchait l'argent, alors qu'avant, on vivait pour l'argent. Avant, on vivait pour l'argent parce qu'on vivait pour trois quarts de notre vie à travailler. Ben, jette là. On passait notre vie à travailler pour avoir de l'argent, à accumuler des matériaux. Puis pour faire aussi des activités qui forcément... En fait, on va dire qu'une activité, quand vous la faites, elle va vous plaire une heure. Là, je sais pas, moi quand je fais le tour d'horizon, que je vois tout ça, le soir que je me mets sur ma terrasse, que je bois mon café ou même le matin, je me régale. Ça ne dure pas qu'une heure. Après, voilà, c'est énormément de travail. Énormément. De la patience, de l'énergie, des échecs aussi, parce que y a des trucs... qu'on peut avoir qui coûte assez bonbon et qu'on essaye de faire partir et que ça part pas ou que les mulots nous mangent ou que... Donc c'est... Il y a le poulailler aussi, il y a les renards, il y a les martres, il y a les furets. On avait besoin en fait de cette transition, comment on peut appeler ça, sauvage. On est arrivé et on a voulu manquer tout d'un coup de tout pour vraiment se remettre un pied en fait à la réalité et se dire... on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de la télé. Mais c'était pour nous, c'était je pense une période où on devait le vivre ce truc, tout arrêter quoi, stopper la machine, ouais, pour voir si vraiment parce que voilà, voir si on pouvait vivre sans toute cette technologie.